Eh bien, yo les gars, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la réaction de l'épisode 1041. On y va tout de suite, c'est parti, let's go. Je suis encore malade, j'ai encore la voix de merde, on y va. Bataille de monstres, Yamato et Frankie. On y va, c'est parti les gars. Yamato vs Kaido. C'est parti les gars. Le choc. Pour l'instant, ça cogne, ça cogne. Yamato. Kaido. Yamato. Tu es très fort. Pense à ton père et installe-toi sur le trône du shogun. Un fils aimant fait ce que son géniteur lui demande. Shogun du pays de Wano, tu pourras utiliser ton pouvoir pour maintenir les habitants sous ma coupe librement, bien sûr. Yamato, je n'opprimerai personne et personne ne m'opprimera. Tu commences à me pomper l'air. Ils sont tous morts. Ceux qui tenaient ce discours complètement naïf. Luffy reviendra, c'est sûr. En attendant, à moi de te retenir ici. Yamato qui essaye de tenir tête à son père Kaido. Tu ne comprends rien à rien. Allez, 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 allez. Mais moi, je suis Oden. C'est à moi de protéger le pays de Wano. Oh là 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 là. Transformation. Transformation de Yamato. On dirait une mix. Dans le château, à l'espace de concert. Queen vs Sanji. Sanji. Sanji se fait tabasser, les gars. Je suis solide, hein. La puissance d'un cyborg, ça fait mal par où ça passe. Ouais. Celle d'un minable, tout juste bon à secouer sa pince. Autant dire, pas grand-chose. Tu me cherches. Je vais te montrer. Résiste autant que tu veux. T'es condamné. Bim. Les gars, quand je parle, ça me défonce la gorge. Mais c'est pas grave, on va y arriver. T'es mort. Tu vas te tousser. Lui, ça envoie du laser à planer, hein. Lui, c'est Laserland. T'es plutôt brillant comme les arts. Plutôt brillant. Bon, après, Sanji, ça va, il est rapide. Un truc qui tire des lasers en rafale. C'est Franky qui serait jaloux. Je vais te buter. Vous êtes sûr? Oui, t'es lourd. Il va se faire éjecter la piqûre, les gars. Bouffe mon rayon. La vrille sur pattes ne sortira pas de ce bourbier seul. Il n'a pas confiance en vous. Après, il y a des grosses têtes aussi, c'est normal. Quel homme, Zoro. Qu'il en soit ainsi. Prépare la piqûre, le bouc. Les explications pour le consentement éclairé. Merci de donner votre accord une fois les petites lignes comprises. Ce remède qui se transmet sur Zoro vous fera bénéficier d'une guérison extrême. Cependant, ce sera temporaire. Vous subirez de lourds effets secondaires, à savoir une souffrance égale à deux fois l'actuelle. Ouais, ben je m'en tape. Pigé, par contre, t'as vu la taille de l'aiguille? Les gars, le truc c'est... Sois fort, Zoro. Vous pouvez le faire. Lui, il va tout donner, frérot. Aiguille d'1m20.
L'aiguille, c'est la taille de chopper, les gars. C'est parti. Vache. Tu l'enfonces loin. Oups, vous m'envoyez d'avré. Les bandages sont tellement épais que je ne vois pas vos veines. Fallait les enlever. J'aurais pu y penser, c'est vrai. Tant pis, on en voit. Je vais survivre, moi. Oui, aïe, 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 les gars, la piquouse. Le Pfizer. Zoro, les gars, il se fait injecter, je sais pas quoi. Complicado. Frankie. Laisse-nous nettoyer. Occupe-toi de Sasaki, mon frère d'acier. Merci, les gars. Vous êtes revenus pour moi. Ouais. Otama. Mes amis qui ont mort, les gars, ça, on le revoit. Ça fait 18 fois qu'on le revoit. Je vous en prie, écoutez ma requête. Mon frère Olofi et mon Nusuke ont besoin de vous. Prêtez-leur, prenez leur parti, prêtez-leur main forte. On a déjà vu. On perd 30 secondes. On perd 30 secondes d'épisode, merde. À vos ordres, patron. Ce sera fait, patron. Abakaido. Chargez, mes mignons. Les gars, là, je vous fais toutes les voix possibles. Hein. Je suis doubleur. Mettez votre force au service de la grande patronne. Par contre, les gars, ça me fait tousser à faire des conneries comme ça. Déjà que j'ai mal à la gorge. C'est déjà plus des heures, mon gars. À la place, c'est mes nouveaux petits potes. Zoomber. Frankie, les gars. Frankie Super. Frankie vs Sasaki. Division blindée. Que vous ayez le cerveau lavé ou pas, vous nous avez trahis. Vous connaissez la règle. C'est inadmissible. Frankie, le stop, les gars. Le boss. Le robot vs le dino. C'est du grand n'importe quoi. Et que dans One Piece qu'on voit ça. Le cyborg. Il l'a soulevé, mon frère. Il prend appui au plafond au calme. Oh la vache! Il a pas le temps. T'es un bon dur à cuire, toi. Ça aurait dû te tuer une dizaine de fois. Le dur à cuire, c'est toi. Et en plus, t'es pénible. Ouh là 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 là, j'en ai marre. Dégage le passage. Yeah, yeah, yeah. Transformation, les gars. Nouvelle forme. Le Sasaki. Nos sous-fifres ont tourné Kasak à l'espace de cancer et de Paris. Mais les deux bouts de bétail. Je vais y aller et massacrer tous ces morpions. Revenons au combat. Onigashima. Tu vas protéger Wano pour moi. Je reconnais au moins la valeur militaire Yamato. Est-ce qu'on va voir la version de Yamato? Et c'est comme ça que tu parles à ton fils. J'en ai bavé pour dénicher ton fruit du démon. Je n'avais pas l'intention de te le faire manger. Oh, les beaux yeux de Yamato. Sauf que moi, je crevais de faim. De toute façon, ils ont tous bouffé des fruits parce qu'ils crevaient la dalle là-bas. Et tu parles d'une surprise. Moi qui voulais prendre la mer, je suis devenu une enclume. Bon, elle est stylée quand même. J'ai voulu te tuer un nombre incalculable de fois. Tu m'as calmé à tout autant d'occasions. Au moins, ça m'a rendu plus fort. Oh là 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 là, je ne suis pas encore resté sur cette île. Seulement à cause des menottes.
Non, je suis resté sur cette île seulement à cause des menettes. Comme je pourrais abandonner ce pays. Oh là là. Je suis Odin, son protecteur. Elle est stylée, les gars. Par contre, elle ressemble à... Comment elle s'appelle, là, le lapin des Minx? Carotte. Elle ressemble à Carotte version Minx sous la lune. Minx amélioré. Milieu d'épisode fini. On va lui faire sa fête. Frankie, revenons sur Frankie. Je vais tous vous exploser. Tu crois? C'est quoi ta forme hybride? Tu vas me laisser passer, robot à deux balles. Sabre mécanique en spirale. Oui, c'est pas des lol. Encore son sabre qui arrache. Je te laisserai pas y aller. Frankie vs Sasaki. Tu assures notre frère d'acier. Faut que j'arrête la voix, les gars, non, c'est chiant. Ramène-moi Sasaki. Si tu l'oses. J'ai pas besoin de vous. Allez prêter main forte à un autre groupe. Renki. Suzuki. Tu me fais bien marrer. Ça m'arrange bien que les gêneurs disparaissent. Au lieu d'avoir pas le temps, lui, il peut tout modifier. J'ai pas d'allié ici, on dirait. Parce que ta collerette qui tournoie. T'as la collerette qui tournoie. Les dinos. Ça vole. Et ouais, c'est sa technique. Prends tes jambes à ton cou, mon frère d'acier. Bande de sombres abrutis, c'est pour vos vies qu'il faut vous en faire. Hélice et Taropes. Hélicératops. Oh non, les gars. On lui défonce tout, les gars, il n'a pas le temps. Sasaki la tornade. Quel mouvement de dingue. Ça va devenir un combat aérien. General Lift. Mais je suis le maître du ciel. Une petite interruption, les gars. Un petit démon est apparu. C'est bon, ça filme bien. Frankie vs Sasaki, ça rigole pas, hein, dino. Il en a sous le cuir. Tu t'attendais à quoi? Je suis un triceratops. Ça rigole pas. Ah ouais, je vois. Il va charger à cette vitesse. Voilà, j'ai enlevé le truc sur le micro, c'est mieux. Je relève le défi. El Dino, Frankie a mis son bouclier, les gars. Ramène-toi. Frankie America. General Shield. Il est tout petit. C'est du flan. Je vais le détruire. Je vais le réduire en poussière comme un biscuit. Les gars, on sait que le matos de Frankie, c'est du solide. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça sera assez fort pour repousser le Triceratops Sasaki? Est-ce que son armure, est-ce que l'armure de Frankie va être meilleure que la puissance du dino Triceratops Sasaki? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Sasaki bouffe ça. Pourquoi il était en arrière?
Il a mis la marche arrière, le con. On croit rêver. Sa propulsion change de cap selon le mouvement de sa collerette. Oh, il s'est trompé, le con. À l'instant, il vient de se planter sur le sens de la collerette. Mais quel con. D'où la petite marche arrière. Il a perdu toute crédibilité, les gars. Distance de charge prise. Un mytho. Mytho ! Silence. Plus je pars loin, plus je transperce fort. Sauve-moi le capot, Général Shield. Obuseratops. C'est parti, les gars. Il a attaqué Frankie. Oui, aïe, aïe, aïe. Mince, mon lanceur d'épaule va exploser. Frankie va péter, les gars, ça va péter. Coup de corne. Ouh, explosion. Le coup de grâce. Tu parles. Frankie l'a chopé, les gars. Je t'ai chopé, Général. Souplex. Oui, il a fait bouffer le bitume. Ça, c'est mon Frankie, les gars. Ta-na-na. Les musiques de Frankie, elles déchirent quand même. Mais Frankie, quand il se tape, on dirait toujours que c'est un sketch. Chapeau de paille. Chapeau de paille. Reviens à toi. Les gars, Luffy, toujours inconscient pour l'instant. Réveille-toi, chapeau de paille. Bon sang, si le capitaine était là, on lui a fait cracher la flotte. Je ne sais plus quoi faire, moi. On lui file un médoc. Non, une piqûre plutôt. Il est livide. Chapeau de paille. C'est vrai que les gars, il est blanc. Hein. Réveille-toi. Comment le sauver? Chapeau de paille, chapeau de paille. Ils l'appellent tous, les gars. Tout le monde l'acclame. Tout le monde attend le retour de Luffy. Va-t-il revenir? Quand va-t-il revenir? Luffy. Luffy, c'est pas... Il reprend connaissance. Ah, il revient à lui. Il est réveillé. Monkey D. Luffy. Chapeau de paille. Enfin. Viens, bah il va dire viens, les gars, c'est évident. Viens. Il va faire viens. Aïe, aïe, aïe. Le retour de Monkey D. Luffy. Il l'a dit, les gars. Viens. Qu'on me donne de la viande. Les gars, fin d'épisode. C'était la réaction de l'épisode 1041. On voit un combat entre Yamato et Kaido qui a commencé une rancœur. Yamato va-t-elle réussir à tenir tête au très puissant Kaido? Je ne sais pas, mais au moins elle aura gagné du temps en attendant le retour de Luffy. Luffy est actuellement réveillé. Il va bouffer de la bonne viande et après il sera requinqué comme Jaja. C'est parti. Donc les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour la réaction de l'épisode 1042. C'était David. Bye tout le monde.